est déjà passionnante. L'échauffement est terminé. On l'a suivi avec beaucoup d'attention. Il y avait énormément de concentration chez tous les acteurs. Les entraîneurs et leurs adjoints donnaient de la voix. Pour un tel match, la motivation vient naturellement chez les joueurs. Allez, je vous laisse savourer encore un peu l'ambiance incroyable qui règne dans ce stade. C'est grandiose. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf. C'est parfait pour ce match. On voit beaucoup de détermination sur le visage des joueurs. Mais quoi de plus normal pour une finale, me direz-vous, Darren? C'est exactement ce que j'allais vous dire, mon cher Grégoire. La route a été longue pour arriver jusqu'ici et tout n'a pas forcément été simple. Mais désormais, ces deux équipes sont aux portes du succès, aux portes du bonheur, et elles vont tout donner. C'est le coup d'envoi de cette finale. Une des deux équipes a rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Les deux équipes risquent d'être un peu prudentes à l'entame. C'est une finale quand même. Il est bien placé. Il file vers... Ça peut faire mal. Il avait fait le plus dur pourtant. Quelle inspiration. Repiquer dans l'axe comme ça, c'était génial. Bonne passe. C'est repoussé. Quelle passe. Quel timing dans l'interception. Il a choisi de jouer long. Dans l'espace. Il la tente. C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Quelle occasion. Bong. Bong qui a de l'espace. C'est joué dans la profondeur. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Salah. Il ne résiste pas au contact. Il avance bien. Oh, le bon ballon. Oh, l'aspiration. Aucun danger pour le gardien. Oui, ça part d'une bonne intention, mais malheureusement pour lui, ça ne marche pas. Pas encore de but dans ce match, mais ça va changer évidemment quand les équipes auront réellement pris leur marque. C'est vrai, mais il n'y a pas de raison de prendre des risques inconsidérés non plus. Oh, le beau geste. Il a trébuché sur cette intervention. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Le ballon dans la profondeur. Il est intervenu. C'est dégagé loin. Tuchel. Il décide d'allonger le jeu. Et il cède sous la pression. La longue passe. Le gros dégagement.
Sucheuil. Ça joue long vers l'avant. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. L'ouverture sur le côté. Il est bien placé. Quelle inspiration! C'est parti de la tête. Oh, il n'a pas complètement réussi son geste. Le Cameroun profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, les Blacks ne sont pas brillants non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. C'est joué long. Il centre là-bas au second poteau. Le bon dégagement. Choupo-Moting qui cherche une solution. Dans la surface, Choupo-Moting. Ça pourrait être le tournant du match, un but importantissime. Quelle précision, le gardien ne pouvait rien faire. Oh oui, super tir. Bien, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, mais attention, il reste encore du temps à jouer. C'est joué long. Bon service dans la profondeur. Pauken à droite. Il se rattrape bien. Bien, la profondeur. Ouais, il a préféré jouer la sécurité. C'est bien dommage qu'une si longue attaque se termine par une perte de balle. Long ballon dans le sens du jeu. Il cherche la profondeur. Attention, la frappe! Et le gardien est présent! Et voilà une façon de faire briller le gardien. Premier corner dans cette rencontre. Ça manquait de présence à la réception. Et le ballon franchit la ligne, c'est trop long. Le Cameroun mène 1-0 et a complètement fait taire l'attaque adverse. Zéro tir concédé. Lorsqu'on mène 1-0 et que l'adversaire n'a pas tenté le moindre tir, eh bien on peut attendre tranquillement la pause. Il allonge vers l'avant. Il s'impose physiquement dans ce duel. Sambo Anguissa qui cherche la profondeur. Ah, l'arrivée ne pourra rien en faire de ce ballon. Dans la profondeur, bien vu. La passe est précise. Rien à dire, c'était propre. Oui, bonne intervention de la défense. Coup de sifflet, c'est la mi-temps.
Les deux équipes regagnent donc le vestiaire avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Alors, qu'avez-vous pensé des 45 premières minutes de cette finale? C'est sûr qu'il vaut mieux mener au score qu'être mené, mais il faut qu'il revienne sur le terrain avec cette même mentalité et l'envie de tuer le match. 1-0, on espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Et il donne le coup d'envoi. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. C'est joué long, attention. Long ballon. La longue passe, il peut en profiter. Il a stoppé l'attaque adverse. Sambo Anguissa. Il joue sur sa gauche. Soucheuil. Il est servi. Il tente sa chance. Et le but. Il compte maintenant l'avance de 2 buts. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Le Cameroun vient peut-être de se mettre à l'abri. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Soucheuil pour un nouveau ballon récupéré. Bien servi. Il est lancé sur l'aile. Choupo-Moting. Il peut frapper. Il est là, le gardien. Ça ne passe pas. Un long ballon vers l'avant. Ouf, un peu d'air. La touche à suivre. Bong. Je ne sais pas ce que l'entraîneur leur a dit à la mi-temps, mais pour l'instant, ça marche. La passe dans la profondeur. Et bon centre dans la surface. C'est bien donné. Encore la bicyclette, elle est magnifique. C'est bon. C'est trop beau. C'est un buffet. Désormais 3 buts d'avance, leurs adversaires sont KO debout là. Oh, c'est rare de voir de tels gestes, quel bonheur! On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. Il quitte le terrain, applaudi par tout un stade. Quel match il a fait! Bah écoutez, il a fait son match, il peut être content de lui. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Dans la profondeur. Le dégagement. Pardonner. Peut-être une occasion pour Vincent Aboubakar. La passe en profondeur pour Vincent Aboubakar. Ils sont sur tous les ballons. Quelle défense! Il décide d'allonger le jeu. Quelle fait du bien cette interception! La bonne interception. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing.
Hein, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Mohamed El Neni, sanctionné par l'arbitre. Il tente de la jouer dans l'espace. Dans l'espace ? Ah non, ils ne se sont pas compris. Le bon dribble. Allez, tout seul ! La tentative ! Le gardien s'interpose avec brio. Ah, il faut le garder à l'œil, celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense, mais sa frappe manquait de conviction. La frappe! Ah, c'est manqué, manqué, il faut cadrer! L'offrande du gardien! Il y a peut-être un coup à jouer. Aboubakar! Le bon ballon, bon jaillissement, il fallait intervenir. Sambo Anguissa. La passe en retrait vers son défenseur. Très belle ouverture. Et pour lui, attention. C'est bien défendu, il faut dire. Ça peut être extrêmement dangereux. Le bon dribble. Il frappe. Encore un but. Le résultat est déjà assuré, mais il continue. Il continue. Du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure et au but, il y a but. Et c'est donc un changement. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Une très longue passe. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. La faute. Carton jaune, oui, c'est logique. Pour repartir proprement. Il relance côté droit. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. C'est joué dans l'espace. Bien joué de la part du défenseur. Corner. Oh, la tête plongeante. Je propose qu'on arrête le match là. C'est un massacre. Ce match est en train de tourner à la démonstration. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Bonne intervention. S'il le trouve. Ça joue long. Mandžek reçoit le ballon. Et le centre bien placé.
Sucheil. Et c'est directement récupéré. Il y aura 4 minutes de temps additionnel. Le jeu. Pour frapper là. Il marque. Et encore un but. Ça tourne à la démonstration. Bon, honnêtement, je commence à avoir mal pour eux. Ouch. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Il était bien présent. Le jeu repart vers la droite. Il est passé. Belle passe lobée. C'est dégagé, loin devant. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. La logique est respectée. Victoire à domicile totalement méritée. Alors, que retenir de cette rencontre? Mais quelle démonstration de la défense! Ils ont respecté les consignes en restant bien haut. C'est comme ça qu'on obtient une clean sheet, comme on dit chez moi. On lance ses attaques. C'en est terminé, Darren, pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir. Oh, vous savez, j'y prends toujours autant de plaisir.